so difficult to guard. He worked smart with the basketball. Hell of a passer. There's no player in the NBA right now who played high school basketball in Canada. I'm hoping that I'm going to start a steady stream of players from Canada into the NBA. With the 15th pick in the 1996 NBA draft, the Phoenix Suns select Steve Nash from the University of Santa Clara. Jamais un Canadien n'avait été drafté aussi haut en NBA. Steve Nash a séduit les Suns de Phoenix dans la mythique draft 1996. En deux saisons dans l'Arizona, il devient un solide remplaçant. Mais à Phoenix, il ne passe jamais devant la paire Jason Kidd-Kevin Johnson, qui réalise alors des merveilles sur les postes d'arrière. C'est alors que Don Nelson voit plus en lui. Le coach des Mavericks le fait venir à Dallas pour grandir avec Dirk Nowitzki. Les débuts ne sont pas simples, mais Nash s'affirme en tant que distributeur du jeu. Les Mavs sont bons en saison régulière, mais ils ne passent jamais plus d'un tour de play-off. Malgré tout, il a le temps de montrer à la Ligue qu'il a une vision du jeu hors norme et qu'il est surtout capable de trouver n'importe quel joueur au milieu du trafic. Steve Nash est désormais un solide meneur, mais il faut attendre un nouveau changement pour le voir exploser. How's everybody doing? We excited? All right, welcome back. It's great for me to be back. My teammates and I have been working really hard. We think we're gonna have a hell of a year. Retour à Phoenix en 2004 et cette fois-ci, Nash est à la tête d'une véritable révolution dans le basket. Il trouve avec son coach Mike D'Antoni une formule qui propulse les Suns sur le toit de la ligue. He has control of the game. His passing, his vision was off the charts. Oh, what a pass from Nash! There's a couple times in games, I would be a little upset or whatever, and he'd come over in the third corner and go, "Mike, just relax. They're not beating us." Hey, concentrate! Come on! Steve Nash est la rampe de lancement du run and gun à l'extrême, mise en place par D'Antoni. Contre-attaque ultra rapide et shoot en première intention, les Suns imposent un nouveau standard en NBA. Nash distribue à Amare Stoudemeyer, Sean Marion, Joe Johnson ou encore Boris Diaw et Jason Richardson. Phoenix termine premier de la ligue pour son retour. Et Nash va alors entrer dans la légende. Premier MVP non américain en 2005, il récidive l'année d'après et devient l'un des rares MVP de l'histoire avec moins de 20 points de moyenne. La vision du Most Valuable Player a changé. Mais Nash est également un membre émérite du club des 50-40-90 dans sa carrière. Il réalise plusieurs saisons à 50% au shoot, 40% à 3 points et 90% au lancer franc. La marque des très très grands dans le basket. Grand, mais pas assez pour devenir champion NBA, les Suns n'atteindront jamais les NBA Finals. There's no guarantees of anything, but to come this far and to put this much into a season definitely hurts. Pour beaucoup, ces Suns ne resteront qu'une très grande équipe de saison régulière. Sa fin de carrière aux Lakers s'est marquée par les blessures. Mais Steve Nash restera toujours comme un vrai chef d'orchestre. Il intègre logiquement le Hall of Fame du basket en 2018. This is the end of the line as a player. There is no more stops. And so it's an incredible feeling. Steve Nash restera l'un des meilleurs meneurs de jeu que la NBA ait connu et qui a surtout marqué toute une génération. I think you'll be hard pressed to find another player of that caliber. One of the best point guards we've ever had.